première passion. Minuit, ma mère dort. Je me suis relevé. Je craignais de laisser ma lettre inachevée. J'ai voulu me hâter, car peut-être ma main ne sera-t-elle plus assez forte demain. Tu connais mon malheur. Je t'ai dit que mon père a voulu me dicter un choix, et qu'il espère sans doute me trouver trop faible pour oser refuser cet époux qu'il prétend m'imposer. Ô toi qui m'appartiens, ô toi qui me fis naître, au bonheur, à l'amour que tu m'as fait connaître. Toi qui suis le premier deviner le secret et trouver le chemin d'un cœur qui s'ignorait. Crois-tu qu'à d'autres lois ton amant enchaînée ne connaisse jamais la foi qu'elle a donnée? Qu'elle puisse oublier ces rapides moments où nos voix ont ensemble échangé leurs serments, où sa tremblante main a frémi dans la tienne et qu'à d'autres qu'à toi jamais elle appartienne. Tu veux fuir, m'as-tu dit. Fuis, mais n'espère pas m'empêcher de te suivre attaché à tes pas. Qu'importe où nous soyons si nous sommes ensemble. Est-il donc un désert si triste qui ne semble plus rien qu'un palais, quand il est animé par l'aspect du bonheur et de l'objet aimé? Et que me font à moi tous ces biens qui m'attendent? Lorsqu'on s'est dit « je t'aime » et que les cœurs s'entendent, que sont tous les trésors qu'est l'univers pour eux? Et que demande-t-il de plus pour être heureux? Mais comment fuir? Comment tromper la vigilance d'un père soupçonneux qui m'épie en silence? Je m'abusais. Eh bien, écoute le serment. Que te jure ma bouche en cet affreux moment? Puisqu'on l'a résolu, puisqu'on m'a sacrifié, puisqu'on veut mon malheur, eh bien, je l'édifie. Ils ne m'auront que morte, et je n'aurai laissé pour traîner à l'autel qu'un cadavre glacé. Lorsque je l'ai revu, il était marié depuis 5 ans passés. Ah, c'était l'écrié. C'est vous. Bien vous a pris d'être venu nous voir. Mais où donc étiez-vous? Et ne peut-on savoir pourquoi, depuis un siècle, éloigné de la France, vous nous avez ainsi laissés dans l'ignorance? Quant à nous, tout va bien. Le sort nous a souri. J'ai parlé bien souvent de vous à mon mari. C'est un homme d'honneur que j'aime et je révère. Sage négociant de probité sévère, qui par son zèle actif chaque jour agrandit l'essor de son commerce et double son crédit. Puisque le hasard à la fin nous rassemble, je vous présenterai, vous causerez ensemble. Il vous recevra bien, pressé de saisir pareille occasion de me faire plaisir. Vous verrez mes enfants, j'en ai 3. Mon aîné est chez mes belles-sœurs qui me l'ont amené. Je l'attends samedi matin, hein, vous la verrez. Oh, c'est qu'elle est charmante. Ensuite, vous saurez qu'elle lit couramment, écrit même, et commence à jouer la sonate et chanter la romance. Et mon fils, il aura ses 3 ans et demi, le 20 du mois prochain. Du reste, mon ami, vous verrez comme il est grand et fort pour son âge. C'est le plus bel enfant de tout le voisinage. Et puis, j'ai mon petit. Je ne l'ai pas nourri. Mes couches ont été pénibles. Mon mari, qui craignait pour mon lait,
a voulu que je prisse sur moi de le laisser aux mains d'une nourrice. Mais de cet embarras, je vais me délivrer. Et le docteur a dit qu'on pouvait le sevrer. Ainsi, dans mes enfants, dans un époux qui m'aime, j'ai trouvé le bonheur domestique. Et vous-même, vous dépendez de vous, j'imagine. Et partant, qui peut vous empêcher d'en faire un jour autant? Je sais qu'en pareil cas, le choix est difficile. Que vous avez parfois une humeur indocile. Mais on peut réussir, et vous réussirez. Vous prendrez une femme et vous l'amènerez. Elle viendra passer l'été dans notre terre. Jusque-là, toutefois, libre et célibataire, pensez à vos amis et venez en garçon. Nous demander dimanche à dîner sans façon.